Hi Matlow ici Défroyé, aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation en tutoriel d'une villa moderne sur Minecraft. Et comme d'habitude, je vais donner les maisons que j'ai déjà faites sur ma ville aux abonnés, à deux abonnés d'entre vous. Voilà, paf, et il s'agit du coup de cette dernière villa qu'on avait fait il y a quelques temps. Grosse, grosse maison du coup qui va attention appartenir à Rotatique. GG à toi, Rotatik, merci beaucoup pour tes commentaires. Et euh, pour les pouces bleus et tout ça. Parce qu'on aime les pouces bleus. Et deuxième maison qui va être celle-ci du coup. Que je vais donner à l'un d'entre vous aussi. Voilà. grosse maison avec plein de terrasses partout. Qui va, attention, appartenir à Roulement de Tambour. Angie, Colin, merci à vous deux du coup. Pour avoir euh, participé. Dans les commentaires, parce que je vous le rappelle, du coup, pour pouvoir gagner vous-même des maisons que euh, j'ai fait du coup sur ma ville, et eh bien, il suffit de mettre des commentaires et, de, et des pouces bleus à la vidéo aussi. Euh, par contre, du coup, petit changement, je vais juste prendre maintenant les commentaires qui ont le maximum de euh, pouces de voilà de pouces bleus eux-mêmes euh, pour pouvoir euh, voilà, donner les maisons au fur et à mesure, parce que à chaque fois, du coup, c'est à moi de sélectionner. et Je ne sais pas comment faire. Donc bah, je vais euh, voilà, sélectionner vous-même. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. En gros, le commentaire qui aura les commentaires qui auront le plus de pouces bleus, eh bien, euh, je donnerai des, euh, des maisons à ceux-là. Voilà. Sur ce, du coup, on se retrouve sur notre petit terrain euh, sur lequel on va créer notre maison. Et en premier lieu, en premier lieu, ce que je vais vous demander de faire pour créer cette maison-là, ça va être un petit socle, un petit socle en pierre, comme ça. Vous voyez, vous prenez la pierre. Et vous faites un tas de pierres qui fait 5 blocs de large. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Sur normalement 26 blocs de longueur. Ouais. Sur deux blocs de hauteur. Donc voilà, 5 blocs de large sur 26 sur deux blocs de hauteur. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça Eh bien on va prendre. Hop, alors euh, ça c'est de la neige. On va prendre du quartz du coup. On va prendre du quartz et on va venir poser une maison par-dessus ce petit socle là. L'idée, ça, ça va être d'avoir une maison qui est légèrement surélevée. Du moins, la première partie de la maison qui va légèrement surélever. L'idée du coup, c'est qu'on va faire une plateforme qui va dépasser de deux blocs de chaque côté de notre petite plateforme en pierre. Hein, C'est-à-dire que vous, quand vous allez en dessous, vous allez avoir deux blocs de ce côté-là, deux blocs de ce côté-là et partout autour. Euh, bon, comme ça. Voilà, comme ceci, hein, du coup, on pose cette plateforme-là en quartz par-dessus notre euh, truc en euh, pierre qu'on avait mis à la base. Et maintenant, on va mettre, euh, alors ça, ça va être du coup le plancher de notre première partie de maison. Et on va mettre la deuxième partie de la maison qui va être dans ce sens-là. Ah oui, alors du coup, je précise, hein, vraiment, il vaut mieux avoir notre socle ici sur le côté de votre parcelle. Si jamais vous êtes vous-même sur une parcelle, hein, euh, vraiment, mettez cette partie-là vraiment que sur le côté. Et euh, la deuxième partie qu'on va mettre ici, du coup... On va la mettre dans ce sens-là, c'est pour ça qu'il faut avoir de la place. On va compter donc à partir de ce bloc là. 1, 2 et 3 blocs. On met notre bloc au-dessus. Ok. On va laisser 3 blocs par derrière aussi, comme ça. Hop. on va dans ce sens-là, on en met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et euh, ça devrait être ok avec 10. Et on prolonge du coup ceci-là sur, euh, sur combien de blocs Alors on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'à 32 blocs, ok, dans ce sens-là. Et du coup, on fait notre plateforme euh, pour faire notre carré à ce niveau-là. Alors, du coup, une fois qu'on a nos deux planchers ici, comme ça, parce que là, ça va être vraiment une maison qui va y avoir euh, deux planchers. Je cause très bien la France, il hein, n'y a pas de souci. Euh, on va utiliser du coup des planches de sapin, des planches de sapin, pour pouvoir faire les murs, pour pouvoir placer les murs pour l'instant, ok Donc, on. Prends notre plateforme ici, on va sur notre bout ici et on met juste des murs comme ça. Donc quatre blocs sur le côté ici, juste deux blocs ici. Ok. La même chose de l'autre côté. On laisse un bloc comme ça sur le côté pour pouvoir avoir un mini décalage qui peut être sympatoche. Ok. Au final, on fait la même chose un peu de l'autre côté. Hop. Du coup, bah la même chose de l'autre côté comme je disais. Et évidemment, au milieu de notre plancher ici, on va rajouter des murs à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va laisser entre cette partie-là et cette partie-là, 7 blocs vides. Et normalement, vous laissez 7 blocs vides aussi de l'autre côté. Euh, et ça vous donne 8 blocs en plein milieu de sapin. Voilà. Euh, du coup, sur notre, non, notre autre plateforme, on va refaire la même chose. C'est-à-dire qu'au bout, on va laisser 2 blocs ici sur 4 de large. Voilà. Euh, on va laisser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs sans rien. Ok, on va laisser donc 4 blocs collés jusqu'à notre deuxième plateforme. Et de l'autre côté, on met juste deux blocs comme ça euh, sur l'arrière, ok. Donc, ici, l'idée c'est que tous nos blocs de bois euh, on va les monter jusqu'à trois blocs de hauteur. Voilà, hein. et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement rajouter les mêmes plateformes de quartz qu'on avait mis au début par-dessus nos, euh, bah, nos murs hein, parce que pour faire le plafond, c'est plus sympa. Euh, voilà, donc, comme ça hein, par-dessus, et évidemment, les deux murs. Vont, les deux plateformes vont se croiser à ce niveau-là, comme celle d'en dessous, hein, mais c'est absolument pas grave. Euh, voilà, donc je vous fais la première avec vous, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, il va falloir faire des aménagements après à l'intérieur de la maison, mais ça, on fera après, parce que, parce que comme ça, c'est plus pratique à comprendre. Voilà, donc là, il y a des murs qui nous embêtent, on les enlève. Pour ceux aussi qui poseraient la question, là, je peux cliquer de très loin, vous voyez... Euh, c'est grâce à un mode sur Minecraft PC, je crois qu'il il est que sur PC, donc euh, qui s'appelle More Command. Voilà pour ceux qui voudraient. Voilà. Sinon du coup au niveau de notre plateforme ici, je vais recouvrir toute cette histoire là. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on refait la même chose sur la deuxième partie de notre euh, bah de notre maison ici. Là, vous voyez sur toute cette longueur là. Et voilà ce que ça donne. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir un petit peu au niveau du sol maintenant et on va mettre une espèce de support en dessous de cette partie là de la maison parce que c'est vrai que pour l'instant elle flotte un peu dans les airs. Bon ça fait swag hein, dans un certain sens mais enfin bon l'idée du coup c'est qu'on va utiliser nos magnifiques escaliers de pierre euh, et on va les mettre en dessous de la maison pour, comme pour faire une sorte de... Réserve naturelle, pas du tout, une commande, une sorte de pilier. Voilà, j'ai réussi à me tromper entre réserve naturelle et pilier. Voilà, c'est épique. Alors, du coup, on va faire une pilier un peu en V comme ça, que avec des escaliers en pierre. Et quand on s'éloigne, et bien du coup, ça fait swag. Alors là, du coup, il y a les arbres au fond qui nous empêchent de voir. Mais en gros, voilà, la maison est soutenue par ce côté-là. Alors, du coup. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une petite terrasse par devant cette partie-là du bâtiment, donc euh, ici, là, vous voyez, euh, qui va nous permettre de faire la porte d'entrée, puisque mon idée, en fait, pour vous expliquer, c'est que je vais mettre un escalier qui va permettre d'accéder à la terrasse, la terrasse va permettre d'accéder à l'intérieur de la maison, et autour de la terrasse, on va mettre une jolie piscine, tout ce qu'il faut. Alors, j'ai fait deux, trois essais et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant au niveau de la terrasse. Voilà un petit peu ce que j'ai trouvé. Donc, c'est une terrasse relativement simple. Euh, alors, du coup, on va laisser quatre blocs de marge de ce côté-là du mur et on va faire une terrasse en dalle de bois. OK. Euh, sur trois blocs par devant la maison. OK. Qui va venir sur trois blocs par derrière aussi. Et on fait, bah, l'intersection des, des deux ici et on s'arrête du coup à trois blocs de la fin du mur. Ok, donc du coup, autre chose aussi, euh, comme on pose les dalles au niveau de la partie euh, basse, en fait, du mur à ce niveau-là, on va aussi rajouter, vous voyez, des dalles au niveau du dessous, ok, de euh, notre plateforme, pour que ça fasse plus swag. Euh, donc voilà, l'idée, on va mettre des dalles en dessous ici, comme ça, qui vont venir tout jusqu'ici, hop, et on va remplir tout ça comme ça, et une fois qu'on aura mis notre... Euh, Terrasse ici comme ça, voilà fini. Eh bien, on va rajouter. Ah oui, non, ouais, ouais, ouais. j'ai mis des escaliers par derrière que j'ai pas fini. Hop, des escaliers qu'on va mettre aussi à l'envers. Si j'arrive à prendre suffisamment de recul. Hop, voilà. Voilà. Donc là, c'est plus propre. Euh, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, qu on, va on, a, on va faire une. Euh, une piscine en pierre pour que ce soit dans le même euh, même bloc que le socle ici comme ça que l'on va venir conscient du coup autour de notre euh, terrasse alors du coup on va commencer par mettre des murets en pierre du coup alors à partir de ce voilà attends je vais essayer de trouver une, un angle on va, à partir de un bloc juste à côté de, de du croisement en fait avec l'autre partie de la maison on va commencer à mettre notre muret ici comme ça vous voyez donc du euh, du socle jusque là-bas ça nous fait combien ça nous fait hop ça nous fait 13 blocs de longueur dans ce sens-là OK donc de là jusque là ici on a 12 blocs de longueur et à côté du coup de notre escalier on va en mettre, alors normalement on faudrait les faire coller au, au socle là-bas, je ne l'ai pas encore fait, mais on va en gros mettre 4 blocs de pierre à côté de l'escalier comme ça, ok Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas mis de coin à ce niveau-là En fait c'est parce que je vais rajouter du verre à la place, et non des blocs de pierre. Hop, et on va mettre du verre comme ceci. Hop, vous voyez euh, pour faire le coin, donc ça va pas être dans le prolongement de la pierre, hein, ça va être vraiment euh, en plus. Et euh, voilà, je trouve ça swag. Alors, du coup, encore une fois, moi je vais finir euh, mon muret à ce niveau-là, comme ça, et on va aussi rajouter le fond de la piscine parce que ça serait pas plus mal. Quand même. Donc du coup, ah oui, alors du coup ça pourrait être vachement dangereux de, le fait de mettre une piscine en dessous de la, en dessous de la terrasse comme ça, mais bon c'est pas grave. On va dire qu'on est des fous. Euh, L'idée du coup c'est que maintenant le sol ici comme ça, on va le changer et on va le mettre. Alors soit vous avez vous avez le choix, euh, je vais envie d'utiliser la diorite polie rien que pour voir ce que ça va donner. Alors au final j'ai mis du lapis lazuli sur mon pack de texture ça donne une espèce de mosaïque comme ça c'est particulièrement bien trouvé pour une piscine. Euh, donc du coup d'ailleurs mon pack de texture vous l'avez en téléchargement dans la description. Hein. Euh, donc du coup on va pouvoir ajouter de l'eau. En fait si je fais des coupures aussi au niveau de la vidéo c'est parce que je teste plusieurs trucs. Euh, donc moi je vous montre que le résultat final ce qui est... Plus pratique, hein, tu me diras. Alors voilà, moi je vais rajouter de la flotte. On va rajouter jusqu'à ce niveau-là aussi, évidemment. Hein. Voilà, ça rend mieux avec de l'eau hein, quand même. Et ça commence à prendre forme notre maison quand même, hein, si on, si on peut dire. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre, on va mettre un petit peu d'embellissement. C'est-à-dire qu'on va utiliser les dalles de quartz comme ça, et on va les mettre. On va mettre une ligne de dalles de quartz comme ça sur le dessus, ainsi que sur le dessous aussi, euh, de notre maison. Alors est-ce que j'ai mis jusqu'au bout Ouais. Vous voyez donc on va faire une ligne comme ça sur tout le dessus des deux parties de la maison, hop comme ça donc il va faire tout le tour, et en dessous aussi, hop, une ligne qui va faire tout le dessous, comme ça, ok, et euh, ce sur les deux parties de la maison, et ça rend plutôt pas mal, vous allez voir ça. Et hop, euh, regardez-moi ça, si c'est pas. si c'est pas stylé quand même oui hein. alors du coup l'idée maintenant c'est qu'on va faire un petit peu le sol c'est à dire que ici j'ai l'ouverture de ma de ma parcelle et ce que je vais faire c'est que je vais mettre euh, ouais, une ligne comme ça de d'escalier en quartz ok puis derrière ça alors en prolongeant quand même mes trucs sur le côté, Derrière ça du coup je vais faire une sorte de garage, une sorte de cours pour les voitures avec euh, de la diorite polie, Parce que j'aime bien la diorite, voilà j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, même si ça fait longtemps que ça existe, mais euh, voilà, moi je suis à la, à, à la traîne on va dire. Et donc l'idée c'est qu'on va faire une sorte de petite euh, cour pour les voitures à ce niveau-là, et on va mettre un joli rebord euh, comme il faut. Alors du coup, est-ce que... On fait... Ouais, on va faire un rebord. Euh, comme il faut. Bref, cette surface-là, du coup, on va la mettre en diorite poli. Voilà. Et une fois qu'on a notre, euh, notre cours comme ça pour les voitures, l'idée, c'est qu'on va prendre des... Comment on appelle ça de la, Du bois. Des planches de bois. Et on va venir au niveau de notre petite... Euh, notre petite escalier, comme ça, rejoindre jusqu'à notre petite route. Euh, tout est petit ici. Et on va euh, faire une jolie clôture. Alors, je sais pas encore comment je vais la faire, la clôture. peu mais je vais vous montrer ça tout de suite, quand même, malgré tout, avec mon immense talent. Attention, voilà. Au final, j'ai fait un truc assez simple c'est à dire que j'ai rajouté des plaques de pression du coup entre notre chemin en, en bois et notre, euh, et notre cour en, en diorite pour accueillir la voiture. Et au-delà de ça, j'ai recouvert, pas du tout, j'ai entouré du coup euh, le... la cour en diorite avec des feuilles, surtout le long, jusque laisser un espace pour, pour, pour la route. Et j'ai recouvert du coup le tout de dalles de quartz sur l'arrière pour euh, faire une sorte de, de deuxième clôture en gros à la maison. Donc quelque chose de très très simple. Il hein, n'y a rien besoin de compliqué. Euh, ce tutoriel de toute façon n'est pas compliqué du tout. Euh, et puis voilà. Donc du coup j'ai pété la piscine magnifique. Euh, ce qu'on va faire c'est que je vais mettre les finitions. Et euh, mais avant tout, mais avant tout, mais avant tout, on va rajouter quand même les la porte d'entrée ainsi que les fenêtres à la maison parce que ça serait plus sympa. Alors, du coup, on peut utiliser, on peut essayer de mettre des vitres de couleur. Euh, bon, moi je vais quand même utiliser juste des vitres classiques, ok, pour mettre entre les trous, entre les murs, qu'on appelle des fenêtres hein, habituellement. Euh, donc voilà, ici, là-bas, à ce niveau-là, à chaque fois qu'il y a des trous, en fait, tout simplement, on va rajouter des vitres dedans, ok, et voilà, du coup, ce que ça donne avec les fenêtres de mise voilà donc rien d'exceptionnel hein. euh, voilà j'ai rajouté des vitres et j'ai rajouté aussi du coup des finitions à la maison j'ai rajouté ce que ce qu'on peut mettre au niveau du toit donc quelque chose de très simple encore une fois j'ai vraiment pas voulu faire quelque chose de compliqué pour cette euh, vidéo euh, quelques feuilles voilà sur le toit qui tombent ou pas voilà euh, d'un côté du toit et de l'autre deux panneaux solaires et puis et puis c'est tout voilà, euh, voilà quelque chose. Encore une fois, pas si pur que ça, mais assez simple malgré tout. Donc euh, voilà, on apprécie. Euh, devant du coup notre partie en mur, euh, en vitre pardon. Au niveau de la piscine, bah des fleurs oranges parce que ça donne un contraste inté assez intéressant. Voilà et une ligne de rosiers du coup de fleurs rouges sur toute la longueur devant la parcelle. Euh, voilà donc évidemment il va falloir vous adapter un peu à votre terrain au niveau de la cour. Pour les voitures, c'est pour ça que je vous ai pas donné les dimensions que j'ai fait moi. C'est parce qu'il va falloir vous adapter à votre propre parcelle. L'idée c'est de le mettre dans le coin en bas à droite euh, et puis, euh, et puis de, de mettre votre maison comme ça. Et puis sinon, bah voilà, c'est plus ou moins fini. Il euh, n'y a rien de bien compliqué. Et voilà. Du coup, si vous pouvez faire aussi votre maison devant la mer, c'est encore mieux parce que ça rend encore plus classe. Et sinon, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à mettre des commentaires, euh, voilà, dans les, dans la description, pas du tout, dans les commentaires du coup. Et de, et je rappelle du coup, celui qui aura le plus de pouces bleus à ses propres commentaires euh, gagnera une maison ou deux. Je donne deux maisons à chaque fois, donc n'hésitez pas. Euh, C'est gratuit. Voilà. Sur ce, mettez des pouces bleus. Je suis prisonnier dans les rosiers. Euh, bon vent à tous, bon à tous, bon vent Matelot et à la prochaine.